il découvrait de là une vaste étendue de pays. Devant lui, au bas de la pente, inclinée vers le midi, l'étang de Busidan s'étalait sur le bord de la route. Au-delà, d'autres étangs luisaient vers l'ouest, semblables à de grands miroirs mats. Rabolio les nommait en lui-même Ardilla, le gué de la guette, Chanteloup. Il fut content. Bienvenue ici à Saint-Dié-de-l'Hôtel, dans le Loiret, dernière étape de notre périple régional consacré aux maisons d'écrivains. La maison de Maurice Genevoix, c'est son petit-fils, Julien Larère Genevoix, qui nous en ouvre les portes. Bonjour, bienvenue au Vernel, la maison de Maurice Genevoix, depuis 1927. On est ici dans la bibliothèque des Vernelles, le salon, là où mon grand-père recevait ses amis. Et cette pièce, elle est importante pour lui parce que c'est lui qui l'a dessinée, comme tout le reste de la maison. Lorsqu'il l'a achetée, cette maison, il n'y avait pas, par exemple, la rotonde qui est là. Et c'est lui qui l'a voulu comme ça, avec ses trois ouvertures sur le jardin. Et je trouve que ça dit assez bien son envie d'être en communion avec la nature. Et on retrouve cette même communion avec les fenêtres qui donnent ici sur la Loire. Donc c'est véritablement une maison au bord de la Loire, tout près de la Loire et avec la Loire. Je suis devenu pêcheur, je suis devenu un fanatique de la Loire, je l'ai connue, je vivais dessus, au bord, dedans, si bien qu'elle s'est incorporée en quelque sorte à ma substance et à ma sensibilité profonde. C'est tout à fait naturel et normal. Et donc au-dessus de cette pièce, nous allons aller dans le bureau, qui est la pièce la plus importante de la maison, celle où Maurice Genevoix a passé le plus de temps. Donc cette pièce qui est celle, à mon avis, qui résume peut-être le mieux qui était Maurice Genevoix. Et c'est là où il y a son empreinte la plus forte. Cette pièce n'a pas du tout été modifiée. Elle est vraiment telle qu'elle était à son époque. Et donc juste à côté du bureau, nous arrivons dans une autre pièce qui est ce que nous appelons le grenier, qui a été une pièce qui a été construite par ma grand-mère justement pour permettre à l'écrivain de travailler tranquillement et en réalité beaucoup plus pour permettre à la famille de vivre aussi pendant que l'écrivain travaillait tranquillement. Puisque la pièce qu'on a vue tout au début, la bibliothèque, il n'y a pas de séparation et donc les bruits montaient et empêchaient mon grand-père de travailler alors que là il y a cette double porte donc qui permet de vivre pendant que l'écrivain travaille. D'abord, Maurice Genevoix, c'est quelqu'un qui, peut-être parce qu'il avait vécu les souffrances de la Grande Guerre, était très tourné vers l'amitié. Et donc, cette maison, ça a été une maison de vie, ça a été une maison de joie et une maison de plaisir aussi, et c'était très important. Et Maurice Genevoix était quelqu'un qui aimait rire, qui faisait des blagues, et il en avait une qui était un de ses jeux préférés, je crois, avec sa fille, c'était de faire des petites boulettes de mie de pain à table et de les lancer sur les invités de manière très discrète. Et ce qui amusait beaucoup maman, et elle trouvait qu'il était presque un magicien de faire ça, parce que justement, ce vieux monsieur respectable, couronné de beaucoup de gloires littéraires et autres, eh ben, avait gardé cet esprit d'enfant. Merci Julien Larère Genevoix pour cette visite instructive de la maison de votre grand-père. Donc nous sommes devant les Vernelles. En quoi votre grand-père était-il une sorte d'écologiste du début du XXe siècle ? Il est un écologiste parce que transparaît de son œuvre l'amour qu'il avait pour la nature et peut-être plus que d'écologie à proprement parler, parce qu'il se méfiait beaucoup des grandes phrases et des grandes théories, mais une espèce d'attention, une attention bienveillante à la nature et l'idée que l'homme et la nature devaient vivre dans une forme d'harmonie dans laquelle l'homme, et c'est ce qu'il rappelle dans nombre de ses livres, dans laquelle l'homme ne peut pas prendre toute la place, et qu'il faut effectivement écouter ce qu'a à nous dire la nature. Et c'est vraiment un écrivain qui s'est fondu dans le Val-de-Loire et il est un emblème merveilleux pour le Val-de-Loire et sa littérature est un emblème pour le Val-de-Loire. Ça a toujours été son chez-lui et il disait que c'était son port d'attache et que c'était là où il se sentait le mieux en communion avec le monde. Et il disait d'ailleurs que les Vernelles étaient le prolongement de l'enfance qu'il avait eue et de la chance qu'il avait eue d'être enfant à Châteauneuf-sur-Loire et que Châteauneuf l'avait prédisposé à toutes les merveilles des Vernelles.
Eh bien, merci Julien Larrère-Genevoix pour nous avoir ouvert les portes des Vernelles, la maison de Maurice Genevoix, ici donc à Saint-Denis-de-l'Hôtel. Merci à vous de nous avoir suivis pendant toute cette semaine et je vous souhaite d'excellentes lectures estivales.